Bonsoir. Nous nous retrouvons pour fêter la nouvelle année. Donc j'ai décidé de vlogger la soirée de Spi pour vous montrer un petit peu comment on a organisé le délire. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a acheté parce qu'on a fait des folies. La bouteille, la bouteille, la bouteille. Non, non. On va se calmer tout de suite. Donc au programme, on a de l'hélium, sa mère. Du bon hélium, sa mère. Ah si, on a aussi du colorant pour cheveux roses. Va y avoir un mec avec les cheveux roses ce soir. Obligé. Non, c'est pas bon. On a des feux d'artifice à utiliser à l'extérieur, bien sûr. On a des... Il y a des ballons 2020, des ballons bonne année. On a des beer pong version fluo. Il y a des chips, mais les chips, on s'en fout, c'est pour après. Encore des ballons. On a un sceptre pour fouetter la piñata. Et nous avons le pénistolet. Pénistolet qui va contenir certainement de l'eau ou de l'alcool. Nous verrons en fonction de la soirée l'état des gens. On va mettre de l'eau juste. Ouais, juste de l'eau. Donc voilà, on va attaquer la décoration parce que là, il n'y a rien qui est fait. On va essayer de faire voler des ballons un peu partout. Du coup, je vais poser ça là. Et puis, on va vlogger la décoration. Hein. Vas-y, je vais commencer par ça là. Ça, c'est facile, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travail. Ah. A few moments later. Je vais trouver ça. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est l'appareil. Mais non. Ça va? Oh lolo. Bah je sais pas. Ok, bon bah. On va voir. Du coup, reprenons où nous en étions. Pour remplir tout ça ici. Enlève le truc, enlève le truc. Attends, attends, parce qu'il y a écrit presse. Bon, je pense qu'il faut l'enlever, non? Attends, fais avec un couteau au pire. Ouais. Ok, il y a une petite ouverture là. Ok. Don't know what you do. Enlève pas tout, parce qu'on va reboucher avec. Ça filme là ou pas? C'est bon, hein, t'es devant l'appareil du coup. Ouais, je sais. Ah ouais, merde. Bah, mets-toi là-bas au pire. T'as mis en story qu'il y avait une piñata? Donc les gens ils savent. Ouais. Ah ouais, donc on la sort à minuit pile. Va falloir la bifler à minuit, ouais. C'est ça. Parce que le concept de la piñata, c'est de prendre la baguette, tu te la mets entre les jambes, tu vois. Et voilà, tu donnes des petits coups de rein comme ça sur la piñata. Et après, ça fait des chocolats. Ça, c'est de la bonbonne Michelin, les gars. Bonbonne sa mère. Oh. Avertissement, gardez toujours la bouteille hors de la portée des enfants. Ah, trop tard. C'est quoi ce ballon? Ouais, j'étais pas prêt à ça. Ça, c'est un 2, frère. Un 2. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus petit, vu la poche. C'est pour ça que ça coûte cher. Ah ouais, je me disais ça. Ouais, deux. On en a eu pour 200 balles. 200 balles de fête. Ou de conneries, appelez ça comme vous voulez. T'es mal à la gueule du zéro, ma gueule. T'es mal le zéro comme il est grand. Waouh, ça va être insane. Tu fais quoi? Il y a une sécurité, je pense. Ça se lève. Ou ça se pousse. Ouais. Mais tu veux vraiment tenter avec ça? Vas-y, on va voir. Ça va en gâcher trop, mec. Hein. Ça part vite, l'hélium. Il veut du ballon. Ouais. Tiens-le, il y a de l'attraction, mec. Je vole, Marie-Popite. Mais c'est pas, il y a des ballons. Monte-le à la cam. Attends, le flamant rose. Flamant rose first, c'est le plus important. Je sais pas. Let's go. Oh. Attends. Ouais, attends. Là, c'est ça qu'il faut péter, les gars, c'est ça qu'il faut péter là. Un gros. Non, mais c'est que le truc, c'est que voilà quoi. Ah, vraiment, c'est pas délire. Ah, vraiment quoi. Simplement, est-ce que là je parle normalement ou pas? Hein? Je parle normalement ou pas là? Nique ta mère! Aïe aïe aïe! Ça c'est quoi ça? Pourquoi on a acheté ça? On en avait clairement pas besoin. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est le deuxième 2? Non? Mais non, on en a déjà deux des deux. Oh là là. Où zéro? Putain, un bouffon. Là là, il y en a un zéro. Vas-y, go faire le zéro. Ça doit pas faire. L'autre côté, ah, je pense. Wesh. Attends, le truc s'envole vraiment. Attends. Que vous avez? Y'a plus d'hélium? Non. Tu mens. Y'a plus rien? Y'a plus d'hélium? Ah, y'a plus rien. Mais non! Wesh, on en a fait deux ballons, gros! C'est pas possible! Attends, faut pas l'ouvrir plus! Vas-y, essaye! Ah ouais, plus rien! Bon, vas-y, je reprends la cam quand on a tout fini, je vous fais un débrief de tout ce qu'on a fait. On avance tant bien que mal, on a réussi à finir deux ballons, les gros, on les a gonflés à la bouche. Donc c'est encore le bordel là, mais on avance, on va foutre la piñata en l'air, je ne sais où. Le flamant rose, il est hal.
lui toujours en train de fumer. Et le pyromane. Vas-y, montre-nous tes talents de pyromane. Bonne année! Bonne année! Bonne santé! C'était. Ouais, bonne année! Ça commence bien la soirée, frère. Ça commence bien. Le clou du spectacle, ma gueule! Oh là 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 là, ça tue sa mère! Ça va être sale ce soir! Regarde ces verres de qualité lumineuse! 211 euros! 211 euros! Aïe 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 Elle est même pas ouverte, gros. Il passe à la gueule. Oh, oh maintenant. Oh, 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 oh. Du coup, c'est comment? Bah, c'est la tech beat. La tech beat. Oh putain. Filou de la tech beat. Ça va être salé. Tu coupes le pas? Non. Ok, tu coupes le pas. Oh là là, le ménage va être salé aussi. La soirée se doit d'être épicée. On est très peu en France. Presque 2h. Oh, il a fini la tequila. Il a tout bu. Facial. Il a avalé. Il a pas fait pour voir Michel Doumé. Oh, smoke weed everyday. Ok. Il y a une voiture? Non! Excellent, mec! Viens le refaire! Pas quand t'as une bagnole, gros! J'en fais deux en même non, temps! Pas quand t'as une bagnole! Bonne année! Wouh! On envoie la prod! Prod faite hier soir en 3 heures seulement! Ça part! Chute! Je prends la chaise en plus. Vas-y. Ça va, il filme ça. C'est un vlog. Oh, il y a Itachi. 4h du mat, là je pète ma clope, je me retrouve au mitard, mais j'ai pas fait de faute. Pas de ma faute, j'ai pas de ma faute. Je t'ai poursuivi de son Japon dans la tessie. J'ai maigri à cause de la tisse. Le diable pâtit, je fais des Pac-Man car le haine m'attire. Là mon matrice, approchant vers la mort depuis mes ressouchis. Car l'alcool est la preuve qui me calme quand je veux sortir mon chasse. Que je vois mon sang couler, que je vois des balafres. Mais c'est pas grave, les larmes se cachaient. Sous le jack la nuit, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. La lune et des étoiles, à la recherche de l'Éden, gros. Je suis comme Martin, moi je me tue dans ma tête, non. M'abandonne pas, je me noie dans les verres quand tu t'éloignes de moi. Une balle dans la tête pour le respect de mes gavins. Je m'enfonce dans la tête, c'est dans mon désespoir. Sur la balançoire, je vois les gens rigoler. Le seum dans mes yeux, t'as qu'à t'imaginer. Elle, j'ai joué en lève car je me cache des fautes. T'as l'engagé car j'ai tête les autres. Ça m'a pas de salam, tu bouges comme un salam, tu salam. Si toi, je te passerai ta salam, les salam, escarlin. L'escar de scalaire, de New 200 cap jusqu'au sida au scalaire. Je voulais passer le bac, mais là pas du passé. Je partais sur Charles, la défaite de Poitiers. C'est toi au micro quand on suit dans le métro. Le haine regarde la concu dans le rétro. J'entre dans ma vie comme un chauffeur de train. J'ai vu des idées sans rire au funérail, pas son frère en arme, ça te bousille un homme. Vachement paumé, mais pas ton comme des pommes. Mago abuse, elle veut le mago l'abuse. Petit bartou qui vit loin, largo la rue, pas de mélimélo. J'suis dans le mano mano, bien meilleur que Mélo, gris comme Danny Mélo. Ouais, j'vais me calmer, non, j'vais les canner. Le flashball arrive dès que sortent les émeutiers. Ouais, j'vais me calmer, non, j'vais les canner. Le flashball arrive dès que sortent les émeutiers. Bang. Je vais attendre le 16 oh là là. Ça start sur la nouvelle prod. Je reprends les 7 d'avant. Je vois Eleonore, y'a pas de soucis. Je vois la cristalline. Staline. Je vois la cristalline. Staline. Hey. Je vois le suprême. Je vois le suprême. Ça me ressemble. Pourquoi tu le sais, je suis dans le suprême. Ouais. Ça me ressemble. Ça me ressemble. Ça me ressemble. Du grec comme grinderie. Hey. Je joue grec comme grinderie. Hey. Je joue grec comme grinderie. Hey. Comme Chima dans Tintin. J'ai oublié comment il s'appelle. Car le Zouirato.
Mitsuhirato, 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 ouais, ouais, tu le sais, c'est Mitsuhirato, Mitsubishi, je la conduis, pas de soucis, même en montagne, 4x4 ici, SUV en ville, pas de soucis, même en montagne, tu le sais, je suis en montagne, y'a juste colline ici. Comme si la vie me ferait pas faire ses lèvres, j'en ai perdu des frères, j'en ai connu des traites, j'ai appris qu'il n'y a que l'amour qui arrive à l'heure, gros, j'ai changé de cas, j'ai pas changé de côté, ici on parle plus sur toute façon condée, personne se reconnaît, même seul face au miroir, au fond le sourire, ça reste qu'un vague mirage. Pète un lien, vaut pas vrai Brésil. Coupe la quinte pour nourrir la famille. Je me sens pas français, donc je laisse en faire la grève. Et puis je vois, et puis je fume, et puis je deviens maigre. Esclave libéré comme Tartakis. Mourir enchaîné comme Spartacus. L'alarme de Tanjiro connaît pas l'esprit. Esquive les balles, flashball des flics. Si je meurs demain, tu fais ça à ma dernière pensée. Et billet suprême, je pourrais partir en paix. Oh. J'ai pas le temps d'écouter toutes tes sottises. Je pas quand lui parle, les cartes et sous-tises. Oh. Dans genre de burésine, de cannabis. Mais je sais quand je vois ta playlist Spotify. Les lèvres humides quand je pose mon stylo. Sur plus de verre quand je pose mon stylo. Flow qui s'en mêle mon ego, prend des kilos. Respire l'air, pas le même que le michto. J'ai pas le danger, grandit trop vite. Trop mal au crâne à force d'y penser. J'ai plus les croiser, pas les paroles parce que je suis complètement bourré. Pas les couilles. Il vient de taper Kate Moss avec sa tête. Ok, pas de soucis. Moi je tape tous les michto de tête. Hey, 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 michto de tête. Anthony vient de kicker Morgan aussi. Enfin non, on l'a toujours pas entendu. Ok Mathéo, on l'a oublié. C'est pas le souci, il peut se ramener. Ok, ok. Oh putain. Je fonce à fond dans le seller. Comme si la vie me ferait pas perdre ses lèvres. J'en ai perdu des frères, j'en ai connu des traites. J'ai appris qu'il n'y a que l'amour qui arrive à l'heure. Hey, j'ai changé de cas, j'ai pas changé de côté. Ici on parle peu sur tout face au condé. Personne se reconnaît, même seul face au miroir. Au fond le sourire, ça reste qu'un bas mirage. Pète un lien, qu'on vaut pas vers Brésil. Coupe la cam, faut nourrir la famille. Je me sens pas français, donc je laisse en faire la grève. Et puis je vois, et puis je fume, et puis je deviens maigre. Esclave libéré comme Spartakiste. Mourir enchaîné comme Spartacus. La lame de Tanjiro connaît pas l'esprit. Esquive les balles, flashball des flics. Si je meurs demain, dis-tu quelle sera ma dernière pensée? Un sourire au lait, je pourrais partir en paix. Hey. Moi j'ai connu que la peine, moi j'ai connu que les peines. Et je chante sous la pluie, dans la magie Noël. Dans la magie Noël, je gratte, je crame des grammes, des flics, des barres de rire, des balles ma vie, puis la garderie, un écart terrible, concours à Lewis. J'ai qu'un seul frère, pas qu'un seul proche, en trop un de faire comme les séquelles mes proches, la lame au fond de la poche. Faut calmer la vie, faut carner des cops. Faut calmer la vie, faut carner des cops. Bien vu! Ouais! Il va falloir courir! Mais mets pas ça à côté, ça va cramer gros! Ça va cramer! Ça va cramer! Ça va cramer! Ouais! Bonne année! Bonne année! Y'a bitch à ce gars! L'artifice le plus pété. Aïe aïe aïe, 2020 ça va être sanglant. Première tôle juste avant 2020. Reste tombé. Ah ouais. Oh mec, comment je suis tombé? Ah gars, tout mouillé hein. Hey yo, on se retrouve au lendemain de cette soirée très très arrosée, malheureusement, c'est le cas de le dire. La soirée s'est pas bien terminée, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, à minuit, on a décidé de sortir pour faire péter les feux d'artifice qu'un pote avait acheté. Les gens commençaient à être salement arrosés, tu vois. Faut savoir que dans la soirée, je connaissais 80% des personnes qui étaient présentes et il y avait 3-4 personnes, on était 15, donc il y avait 3-4 personnes que je connaissais pas. Et du coup, avec les 80% de personnes que je connaissais qui étaient présentes, jamais eu de soucis, on a déjà fait des soirées ensemble et tout, ça s'est toujours très bien passé. Et là, il s'avérait que c'est parti un petit peu en couille à la fin. En gros, après minuit, quand on est remonté chez moi après le feu d'artifice, une pote vient me voir en me disant qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans le lavabo et que c'est bouché, mais genre salement bouché. Et effectivement, c'était hardcore sa mère, dégueulasse ma gueule, le lavabo rempli à ras bord. De là, je commence à vriller un petit peu dans ma tête parce que je me dis que le mec qui a fait ça, il a pas de nerf parce qu'il a pas assumé sa connerie, ou il est pas venu s'excuser, ou il est pas venu prévenir. Il a laissé sa pêche dans le lavabo et il s'est barré sans rien dire. Et ça, j'apprécie pas trop. Pour moi, c'est un manque d'éducation violent. Peut arriver à tout le monde de vomir, ça je lui en veux pas. Je comprends, hein, tu sais, quand tu t'arroses un peu trop la gueule un soir de Nouvel An, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que t'es pas chez toi et que t'as un minimum de tenue
à avoir, je pense, c'est la moindre des choses. Et que quand tu fais ta merde ou quand tu fais quelque chose, tu vas le dire, c'est pas grave. Et on essaye de nettoyer ça ensemble ou de réparer sa connerie ensemble, tu vois, qui me laisse pas tout faire tout seul. Donc de là, je commence à m'énerver. Je vois qu'il y a tout le monde qui s'amuse dans le salon de mon appart et tout le monde fait comme si de rien n'était. Je commence à demander qui a fait ça. Personne me répond. Je commence à monter très vite dans ma tête. Donc je retourne voir la connerie. Je commence à estimer comment je vais pouvoir récupérer les conneries. De là, on a dû dévisser le tuyau en dessous du lavabo pour faire sortir tout son vomi. C'était dégueulasse, sa mère, je vous passe les détails. Par contre, je tiens à préciser une chose, c'est que les personnes se reconnaîtront, il y a des personnes qui sont venues me filer un coup de main pour nettoyer cette merde, et je les remercie mille fois parce que, clairement, sans elles, j'aurais vraiment pété un câble. Mais heureusement que des personnes sont venues me filer un coup de main parce que, vraiment, je montais vite en pression. Et puis voilà, à un moment donné, ça a commencé à bien faire, et je vais voir dans le salon parce que tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait et tout. Pendant qu'il y avait 2-3 personnes qui, elles, n'avaient rien fait, qui sont venues me filer un coup de main dans la salle de bain, donc on était tous dans la galère à cause d'une personne qui a foutu sa merde, et ça, j'ai pas trop apprécié. Donc là, je commence à gueuler sa mère fort parce que personne ne m'écoutait quand je voulais parler, et je commence à lâcher un c'est qui le fils de pute qui a fait ça, en mode bien vénère, tu vois, parce que j'avais pas trop bu, moi j'avais bu un verre et tout, j'étais soft, hein, j'avais totalement le contrôle de moi-même, mais voilà, j'estimais que là c'était un manque d'éducation totale et que la personne qui avait fait ça devait venir mettre la main dans sa merde parce qu'il y avait trois personnes, enfin on était 4-5 à mettre la main dans sa merde alors que c'était aucune de ces personnes-là qui avait foutu la merde, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouvais pas ça normal, pour moi c'était injuste et je déteste l'injustice. De là, ce qui s'est passé, c'est que commence vraiment à m'énerver, surtout qu'il y avait un cumé qui était bien aussi arrosé comme il fallait, qui commence à péter un câble. Et puisque j'arrivais pas à mettre la main sur la personne qui avait foutu sa merde, je dis bon bah écoutez, vous savez quoi, on arrête la soirée, il devait être 1h30 du matin, on arrête la soirée, tout le monde dégage de chez moi, je vais réparer la connerie. Et puis voilà, donc il y a tout le monde qui est sorti, il y a 2-3 personnes qui sont restées avec moi pour me filer un coup de main et je les remercie beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la soirée, si vous voulez, j'ai jamais vraiment su qui c'était, mais je sais que c'était une des personnes que je connaissais pas qui était venue dans la soirée, et je sais surtout que c'était une des personnes qui n'est pas venue me filer un coup de main dans la salle de bain. C'était un cumé sans couilles, sa mère, et un bon fils de pute qui reviendra plus chez moi, qu'on se le dise, parce que je trouve ça inadmissible. Ça peut arriver à tout le monde de vomir, ça je leur dis, c'est pas grave frère, t'as trop bu, et voilà. Mais assume ta connerie et répare-la, tu vois, ou viens t'excuser, la moindre des choses c'est ça, c'est s'excuser. Parce que le mec, s'il est mal, je me doute bien qu'il va pas pouvoir réparer sa connerie, qu'il va pas mettre d'une grande utilité à réparer sa connerie, mais la moindre des choses c'est de s'excuser. Et puis là même, tu vois, on est le lendemain de la soirée, j'ai pas eu de message de la personne pour s'excuser, donc j'estime que c'est un fils de pute à partir de là. Bref, je pense qu'il a pris honte quand il a vu l'étendue des dégâts de sa connerie. Quoi qu'il en soit, je retiens que le meilleur de cette soirée. On a kiffé vraiment tout le début là, c'était vraiment nickel, on s'est bien amusé, c'est parti un peu en couille. On a rappé sale et tout sur des prods, c'était archi chill et tout. On essaiera de refaire des petites sessions comme ça si ça vous a plu. J'appellerai Carlito ou des potes comme Anto et tout qui ont rappé dessus et tout, c'était vraiment cool, j'ai bien kiffé. Puis voilà, quoi qu'il en soit, moi je retiens quand même que le meilleur de cette soirée. Et faites attention quand même quand vous organisez des soirées, essayez de vous entourer de personnes que vous connaissez, parce que bon, le délire c'est que c'est ce que je disais à ma mère elle me disait quand je lui ai raconté l'histoire, mais faut pas que t'invites des personnes chez toi que tu connais pas. Je lui fais ouais, mais Angers c'est une ville étudiante, il y a des mecs, il y a des potes, des étudiants qui viennent de Rennes, de Nantes et tout, qui viennent fêter le nouvel an à Angers. Donc forcément, si t'invites Pierre et que son pote Paul il vient de Nantes, bah tu dois inviter Pierre et Paul, tu vois, ils vont pas faire leur délire chacun de leur côté, tu vois, c'est un peu complexe, mais ça tu connais, je t'apprends rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, la personne qui a fait ça, j'ai dans ma tête, je sais à peu près qui c'est et il reviendra pas chez moi, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour faire un petit point sur ma chaîne, bah là il y a eu 2 petites semaines de pause pendant les vacances, là j'avais pas spécialement l'envie de tourner des vidéos. Sachez qu'on va reprendre tranquillement, hein, va y avoir du son, va y avoir des vlogs. En mars je pars à Dubaï, donc en mars je vais vlogger mes petites aventures à Dubaï. Il y aura de la sap, alors il y aura beaucoup de sap, sa mère, parce que là novembre décembre, ouais, ça a été salé, il y a eu pas mal d'achats qui ont été faits, pas mal de choses au retail intéressantes à vous présenter. Je vais vous présenter ça dans des futurs jeux comme ça en vidéo, il y a pas de souci. Et on va reprendre un petit peu les jeux, j'ai envie de jouer à certains jeux en ce moment, ça me manque. Il y aura un peu de Minecraft, je pense, qui vont revenir sur ma chaîne petit à petit. Et puis voilà, je pense vous avoir dit un petit peu. Ah oui, il y aura du son. Ah ouais, là parce que là en ce moment ça charbonne sur des prods, donc va y avoir du son, beaucoup de son qui va revenir sur ma chaîne. Et puis voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une agréable année 2020. J'espère que cette petite vidéo soirée vous aura plu. Et je vous souhaite plein de bonheur dans votre année 2020. Essayez de charbonner vos projets. Si vous avez des idées de choses à réaliser, réalisez-les. Moi là, je sais que j'avais des choses à réaliser pour mon entreprise. En début janvier, tout est terminé. Je clôt tout ce que j'ai à faire en janvier. Point barre. Je me mets pas une année pour réaliser ce que j'ai à faire. Je me mets un mois pour réaliser ce que j'ai à faire. Point barre. Et après, l'autre mois, il me servira à autre chose. Faut charbonner, faut pas attendre. Enfin bon, bref. Je vous souhaite plein de bonheur. Une très bonne année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.